Bienvenue dans News Gaming, l'essentiel. Ghost of Tsushima fait clairement partie des pépites de 2020, on est donc en droit d'espérer une suite, et ça tombe bien parce que ça semble se confirmer. En effet, le directeur créatif de Sucker Punch a mis à jour sa biographie sur LinkedIn, ajoutant qu'il était actuellement au travail sur Ghost of Tsushima sur PS5. Alors on pourrait se dire qu'il parle de la version optimisée du premier Ghost of Tsushima pour la PS5, à part qu'au moment où il a publié ça, cette version était déjà disponible. En plus de ça, il a remodifié sa biographie peu de temps après en changeant PS5 par PlayStation tout court. Bref, le truc un petit peu louche quand même. Donc tout porte à croire qu'un Ghost of Tsushima 2 est bel et bien dans les tuyaux. Nombreux sont les joueurs rêvant de voir le retour de la licence Star Wars Knights of the Old Republic. Eh bien, réjouissez-vous car ce retour est en marche. Cette nouvelle nous vient d'un insider qui nous apprend donc qu'un nouveau KOTOR est en développement chez un autre studio que EA, qui n'a plus l'exclusivité. On en parlait la semaine dernière avec l'annonce d'un nouveau jeu Star Wars chez Ubisoft. Et en plus de ça, un journaliste du Bespin Bulletin a déclaré avoir parlé à quelques personnes et qu'on ne devinera jamais quel studio est en charge du jeu. En tout cas, une chose est sûre, qu'on approuve ou pas ce déluge de production Star Wars, le retour de KOTOR fera plaisir à de nombreux fans. IO Interactive, qui vient de sortir Hitman 3, dont les retours sont extrêmement positifs, s'attaque à un nouveau projet qui a pour nom de code Projet 007. Vous l'aurez compris, il sera bien question d'incarner le plus célèbre des agents secrets. Bond. James Bond. Le directeur du studio nous apprend 2-3 petites choses au sujet de ce futur jeu. Premièrement, leur James Bond n'aura pas les traits de l'un des acteurs ayant déjà incarné le personnage. Deuxièmement, ils proposeront une histoire inédite. Et enfin, troisièmement, leur projet pourrait bien amener à une trilogie. Pour conclure, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je pense que si un studio peut faire un bon jeu James Bond, c'est bien IO Interactive. La dernière adaptation cinématographique de Tomb Raider était plutôt inégale, mais pourtant elle aura quand même droit à une suite. Mais ça n'est pas le sujet ici, j'ai plutôt envie de vous parler de la série animée qui a été commandée par Netflix. Parce qu'en vrai, ça s'annonce plutôt bien. Déjà, c'est le studio Powerhouse qui sera aux commandes, c'est à eux qu'on doit la série Castlevania, que personnellement j'ai vraiment kiffé. Et à la production, on retrouvera entre autres Dimitri M. Johnson, qui était producteur sur Sonic le film, qui a vraiment été une très bonne surprise. Pour ce qui est de l'histoire, elle se déroulera après Shadow of the Tomb Raider, qui est le dernier opus du reboot débuté en 2013. Bref, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Et j'ai tout aussi hâte de voir ce que va donner l'adaptation de Borderlands au cinéma. Adaptation dont Kevin Hart vient d'être confirmé au casting, et selon certaines rumeurs, il incarnerait le rôle de Roland. Pour rappel, le projet d'un film Borderlands date de 2015, et c'est le 11 janvier dernier qu'on a appris que le tournage allait débuter incessamment sous peu à Budapest, en Hongrie. Et il sera réalisé par Eli Roth, à qui l'on doit Hostel, Knock Knock ou encore Death Wish. À part ça, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce film. Si ce n'est que Cate Blanchett sera également de la partie, elle incarnera le rôle de Lilith, et je suis sûr que ce rôle lui ira comme un gant. Bon, sinon, pas de date de sortie, pas de synopsis, je vous tiendrai au courant dès qu'on en saura plus. Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour bourrer les pouces bleus et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne aussi, hein, y a plein de trucs cool à regarder. C'était Glen Erwan, see you next time.